Bonjour mes tutos, j'espère que vous allez bien. Je viens ouvrir ce vlog. On est dimanche le 25 avril. Ça va trop vite, on est déjà ça. Ça va trop vite. Et du coup, je voulais vous reparler. J'ai pas beaucoup lu ce week-end. Enfin, on est dimanche, mais hier j'ai lu un petit peu. Vendredi, je n'ai pas lu. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai lu et que j'ai terminé. J'ai lu Chobit. C'est un manga que j'ai eu à prêter de monsieur. Voilà. C'est un vieux manga. Je ne sais plus l'année qu'il m'a dit. 2002. Je ne sais plus. Je sais plus où il a vu ça. Je ne sais plus. C'est un vieux manga. Voilà. Je vous montre, il est trop beau. J'ai toute la collection. Il y en a. 8. Voilà, je les ai tous. J'ai plus qu'à les lire. J'ai lu le tome 1. Il me manque les autres à lire, mais je les ai tous. Du coup, j'ai bien aimé le tome 1. Je vais vous montrer quelques planches sans trop spoiler parce que je n'ai pas envie non plus. Je sais même pas s'ils sont, ils sont encore reproduits ces mangas-là. Voilà. Et elle est où la photo de couleur? Sur la première. Voilà. Du coup, on va suivre un jeune garçon qui est juste ici, là, celui-là, si je me dis pas de bêtises. Et il va trouver une poupée robot dans une poubelle. Voilà. Et on va suivre son histoire. En fait, à un moment, on comprend pas. Elle dit toujours un seul mot. Je sais plus lequel mot. Qu'elle dit, mon enfin, soit. Et du coup, il va faire des recherches pour comprendre pourquoi elle dit qu'un seul mot. Et on va suivre son histoire. Voilà. J'ai bien aimé. Maintenant, il faut que je continue. Celui-ci, c'est juste Chobit. Clap, clap, clap. Et je vais vous montrer les autres un petit peu mieux. Le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont encore reproduits. Je ne sais pas où il avait vu. Ça m'ennuie de pas savoir. Pas trouvé. Ah là. En décembre 2002. Voilà. De chez Pika. C'est l'édition Pika. Pika Édition. Voilà. En 2002, a été produit Chobit. Voilà. Du coup, j'ai lu ça hier. Et je suis toujours dans ma grosse paroisse. Je suis un petit peu avancée quand même. Je suis à 206. Et voilà. Du coup, j'allais lire un petit peu là. Je vais bien lire une petite heure. Et voilà. Je vais continuer ça. Mais il y a les Chobits qui me tentent bien aussi à continuer. Du coup, je pense que je vais faire une alternance. Je vais lire un petit peu ça, un petit peu les Chobits. Parce que comme je les ai tous, j'aimerais les lire et lui rendre pour qu'il les remette chez lui. Voilà. Pour que je sois tranquille avec ça. Et je vous tiendrai au courant sur les Chobits. Voilà. Et puis il m'a donné deux petits mangas comme ça en gazette. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai même pas encore regardé. Je crois que je regarde ça. Ça a l'air un peu. Je ne sais pas. Je vous montre comme ça, vous verrez bien. Ouais. Mais je crois que c'est des petites parts. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas si je vais les lire. J'aime bien les dessins, ils sont beaux. Voilà. Voilà. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser et je vais aller un peu bouquiner. Aujourd'hui. Et je suis au chapitre 20. Voilà. Je sais plus combien de chapitres il fait le premier. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est trois livres en un. Du coup, voilà. Ah. 360. Du coup, il me reste
un peu moins de 150 pages à lire. Voilà, il me reste ça avant de repartir au tome 2. Ça, je sais pas si vous allez voir, ça qui me reste à lire. Et puis je suis au tome 2 là, et puis il y a le tome 3 dans le fond. Voilà, du coup on va lire ça, et sur ce moi je vais vous laisser, et je vous retrouve je suppose demain, parce que je crois qu'aujourd'hui je ne veux pas vous reprendre. Ce dimanche on fait journée pépère, voilà. J'ai fait assez, enfin j'ai pas fait grand chose, je me suis fait ma petite pièce, j'ai lavé mes cheveux hier et je les ai laissés aujourd'hui, voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire cette semaine, du montage. Il y a quand même, je sais pas combien de vidéos à monter, pas mal, qu'on a fait tourner tout le week-end. Ouais, le vendredi, on a fait journée après-midi tournage. Et puis, ben, on a mangé. Et voilà, et puis on a été couché. Je sais pas, j'ai regardé ma petite série, et puis on a regardé un petit peu quelques vidéos, on a discuté, et puis on a été se coucher, et on, le matin, ben, samedi matin, j'ai commencé Chobit, j'avais lu, je sais pas, 5 pages, je crois. On a été faire un tour à Dreamland. Du coup, monsieur a recraqué pour des cartes Pokémon, retournage début matin, au matin. Et après, on a attendu un petit peu et puis on est revenu à la maison parce que j'étais pas chez moi. Voilà, j'étais chez sa maman. Du coup, on est revenu, je me suis occupée de mes loulous, j'ai vidé mes sacs. Voilà. Et voilà. Et puis, j'ai fait quoi? Ben, après, j'ai fini... J'ai continué Chobit et j'ai regardé quelques vidéos hier soir. Voilà. C'est tout. Voilà. Et là, ce matin, ben. Oui, je me suis pris ma petite douche. Ben, ce matin, on a un peu traîné. Puis, monsieur a été faire des courses. Voilà. Et. Voilà. Et là, il joue. Et moi, ben. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, il a fait à manger, on vient de finir de manger. Et là, je me suis dit, avant de... Pour digérer, on va lire. Allez, je vous laisse. À plus tard. Hello, mes petits ciels. Je reviens dans ce vlog. On est le 26 avril. Et je reviens pour vous parler un petit peu. Hier soir, j'ai lu un petit peu. J'ai pas beaucoup avancé. 232 pages. Et le... tome, le premier tome il fait 300 et quelque chose, ouais c'est ça, je suis au prologue, c'est ça, il fait 355 pages, il faudrait que je marque un petit, ouais, il me reste ça pour faire le premier, livre, ouais, il me reste ça à lire, et puis on sera pour que on revienne. Le deuxième livre qui fait je sais pas non plus combien de pages. Je vais regarder. Il faudrait que je marque des petites... je vais chercher mes... mes étiquettes pour marquer. C'est ça qu'il est gros. On passe à ça, j'espère que vous, votre week-end s'est bien passé. Moi, comme je vous ai dit, tournage de vidéo avec monsieur. Ah voilà, il est là. Il est ici. On a le prologue ici. Voilà. Voilà. Le deuxième et le troisième. Voilà. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Il faudrait que je mette des trucs en attendant. Mais j'ai rien du tout là. Je vais mettre mes bics en attendant. Je vais vite aller chercher mes papiers comme ça. Voilà. Voilà. Du coup, là, j'allais relire parce que j'ai fait du ménage. J'ai rattrapé ce que j'avais pas fait du week-end. Enfin, une grosse partie. Voilà. Maintenant, j'ai encore d'autres choses. Oh merde, j'ai oublié ça. C'est pas grave. Ça ira après.
Du coup, j'ai vidé mon sac. Enfin, j'ai continué à vider mon sac. J'avais déjà fait une grosse partie hier, mais il restait juste le sac de vêtements où il n'y avait pas grand-chose, quoi. Un jour de ça allait vite. J'ai fait ma petite vaisselle hier soir. J'ai changé mon petit lit. Ça va faire du bien ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis deux machines à tourner. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ma cache, mes petites litières. Comme ça c'est fait. J'ai plus besoin de le faire demain. Et demain, j'aimerais bien aspirer et nettoyer. Et il faut que je fasse replier mes vêtements et les ranger. Voilà. Refaire ma manne que je dois donner à ma mamie. Comme j'ai pas de séchoir, et c'est vrai que mon petit appartement, je sais pas mettre grand chose, du coup c'est plus facile que ma mamie me les fait pour certains trucs comme mon lit, que mon lit est là, je l'ai mis dans un sac que je vais lui donner, comme ça elle va le mettre dehors parce que moi j'ai pas de jardin, j'ai rien du tout, et c'est mieux que quand il fait bon de les mettre dehors, prendre l'air, ça fait du bien. Voilà, comme des jeans et tout ça que je sais pas faire, quoi. Enfin, si je sais les faire, mais j'ai pas de place à mettre sécher. Ici, souvent, je fais que les vêtements de travail de monsieur et des vêtements de qu'on a vraiment besoin au quotidien, quoi. Voilà, les petits torchons de ma fifi de la nuit qu'elle fait pipi dessus. Voilà, voilà. J'ai bien travaillé, je suis contente. J'ai monté deux vidéos aussi tantôt. J'ai vidé toute la carte, vous allez entendre les pimpons. Voilà, c'est passé. J'ai vidé ma carte de toutes les rushs qu'on avait fait de vendredi et samedi. J'ai mis tout sur le PC. Du coup, j'en ai monté deux. Il y a une que vous allez voir vendredi. Je ne sais même pas si j'ai mis l'heure. Faudrait que j'aille voir. Si je l'ai mis, du coup, je ne sais plus. Enfin, normalement, vous en aurez une vendredi. Cette semaine, c'est que du Pokémon. Enfin, vous l'aurez déjà vu. Comme ce vlog aura après la semaine, ce sera que du Pokémon. La semaine prochaine, si je vais essayer demain, après le nettoyage, monter la vidéo de l'unboxing du petit colis. Comme ça, je vous mettrai ça lundi. Mercredi, je vous mettrai. De voiture de carte de Pokémon, et vendredi il faut que je trouve un autre truc à ouvrir. Oh, je vais peut-être ouvrir les petits en avant, il m'en reste encore à ouvrir, pourquoi pas. Moi, ouais, je crois que je vais ouvrir ça en avant, il m'en reste quelques-uns à ouvrir, du coup j'ouvrirai ça. Je pense que je ferai ça demain, et comme ça je vous mettrai pour vendredi, je pense vendredi prochain. Voilà. Ouais, maintenant je vais. Il est 2h40, enfin 42 pour exact. Je vais me replonger un petit peu dans mon lit parce que là j'ai un mal de tête parce que j'ai des ouvriers qui sont là pour venir faire une façade et tout. Puisque maintenant ils sont en train de seulement monter le. Ils sont là depuis 8 heures. L'établi, c'est ça qu'on appelle, je crois. Je crois que c'est ça. Si vous savez, vous me dites. Pour mettre à la façade, pour faire la façade, je crois que c'est l'établi. Pour monter dessus et pour plafonner la façade, je crois que c'est ça. Je pense. Je suis pas sûre. Voilà. Du coup, ils ont fait du bruit toute la journée. J'ai mal à la tête. Mais ça commence à passer. J'ai pas bu beaucoup, si c'est ça, je crois. J'ai bu que deux petits verres de coca. Et là, je me suis fait ma petite gourde avec de l'eau et un peu de menthe. Oh, c'est pas de la menthe, c'est du mojito. Comme ça. Voilà, c'est pour couper l'eau parce que je suis pas fan de l'eau en fait. Voilà, comme ça coupe l'eau et je bois mieux. Voilà, et il faut que j'en boive. Voilà. J'ai des petits boutons là. Je me demande si j'ai pas été piquée de la nuit encore. Et là, j'ai ouvert toutes mes fenêtres, ça fait du bien. J'avais chaud, j'avais froid. Je joue avec mon gilet. Je le retire, je le remets. Là, je suis en t-shirt. Je retire mon gilet. En travaillant, j'avais chaud. Parce que j'ai mis sécher la première machine. La deuxième est en route. Voilà. Oui, je joue toujours avec mes cheveux, mais je ne sais pas pourquoi. J'aime bien. Voilà, c'est un mauvais tic. Voilà.
Et puis ça m'emmerde parfois, là j'ai un nœud, voilà, hop, d'avoir fait ce que j'ai à faire de la journée, ben, les cheveux ils sont en mêle tout le temps. Et j'ai une mèche là qui reste. Voilà. C'est mieux. Voilà. Et voilà, juste tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de lire et je vous reprends plus tard. Peut-être tantôt. Voilà. Et j'espère, je croise les doigts. Croisez les doigts avec moi que monsieur, quand il rentre, il va faire à manger. J'ai vraiment plus envie de faire quelque chose aujourd'hui. Voilà, j'ai trop bien travaillé. J'avais fait un petit planning, mais j'ai fait plus que ce que j'ai prévu. Du coup, mon lit, faire la machine, j'ai monté deux vidéos, la vaisselle, mis sécher, une deuxième machine, la cage, voilà. Enfin, les cages, les chairs. Moi, je dis toujours les cages. Ça fait... Et puis j'ai mangé un pain au chocolat au déjeuner, j'ai mangé une tartine aux chèvres à midi. Il me reste mon petit morceau de gâteau à la cerise que j'ai pas encore mangé, que je mangerai peut-être après ou comme dessert. Voilà, je ne sais pas, je verrai bien. Voilà, j'ai mangé un œuf dur aussi de ma belle-mère. Il était pas mauvais, c'est un œuf dur quoi. Voilà, voilà, tout ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, moi, je vais vous laisser et je vais aller bouquiner. Je vais aller chercher mes post-it pour mettre comme ça. Je verrai quand j'avance bien ou pas. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Enfin, on se retrouve tantôt ou demain. Je reviens dans ce vlog. On est toujours le mardi 27. Je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Je voulais vous venir parce que, en fait, je viens faire une annonce sur Instagram. Sur mon groupe Les Amours des Livres. En fait, je recherche, pour ceux qui les ont, les Marked Men. Moi, j'ai le tome 5 qui est juste ici, vous voyez. J'ai le tome 5. En fait, j'aimerais bien les retrouver tous. Enfin, moi, j'avais trouvé à d'occasion, celui-ci est à 7,95. Mais j'aimerais bien trouver le tome 1 et en a 6. Du coup, j'aimerais bien tomber le tome 1, 2, 3, 4, 5, je l'ai, et 6. Voilà. S'il y a quelqu'un qui aurait les Marked Men et qui les vendait, faites-moi un message dans le fond ou venez sur Insta qui est dans la barre d'infos. Parce que j'aimerais bien lire les Marked Men. J'ai vu, je ne sais plus son nom, sur Insta. Elle en parle, c'est son... C'est livre coup de cœur. C'est The Biker, si j'ai bien compris. Mais j'ai pas trop envie de me spoiler avec le tome 5, du coup. Voilà. S'il y avait quelqu'un qui pense à moi, et si pas, ben, je trouverais un autre moyen de les trouver. Voilà. Bien sûr, à des prix... J'ai fait tomber tous les livres que j'avais au-dessus. Raisonnable, si c'est possible, bien sûr. Parce que un grand format sont à 17 euros. Je les ai vus en poche, mais la couverture de poche, je suis pas fan. J'aime mieux ceux-là, je sais pas pourquoi, mais voilà. Si pas, ben, à ce moment-là, ben, je me les reprendrai tous en poche. Voilà, ça me fait 52 euros en poche. Du coup, j'hésite. Combien j'ai dit que je les avais? Pour les 6, j'en ai pour 5 ans, 46 euros. Voilà, si je pouvais les trouver en grand format, dans cette couverture-là, ça me plairait bien. Maintenant, les nouvelles en poche ne sont pas terribles. Je ne suis pas fan, voilà. Mais si c'était possible, faites-moi signe. Je serais content. Sur ce, moi, je vous laisse. Et j'allais commencer à monter le vlog. On est mardi. Ça fait déjà 3 jours de rush. Du coup, je vais voir à peu près je suis à quel temps. Voilà. Et j'ai toujours pas continué ma lecture. Parce que j'ai joué, j'ai regardé quelques vidéos. Et là, je pense que je vais aller lire. Maintenant, il est 2 heures. Je vais juste mettre tous les rushs sur le PC. Voilà. Comme ça sera fait. Allez, je vous fais... je vous dis à plus tard. Je reviens dans ce vlog. On est mardi 27 avril et je vais vous parler parce que j'ai lu 36% de mon bouquin. Oh, je suis trop contente. J'ai fini le tome 1. Je suis au tome 2. Voilà. Le tome 2, c'est pour que je revienne. Heureusement, mais heureusement que j'ai l'intégrale. Parce que si j'avais que le tome 1,
j'aurais couru là maintenant pour aller me trouver le tome 2, pour l'avoir au soir. Je vais vous reparler du tome 1 et voilà. Du coup, on va suivre, je ne sais plus son nom. Oh, comment il dit Lui, c'est Kylian. Et elle, c'est Gabi. Je crois que c'est Gabriel. Et lui, la petite. Bon, on va suivre Gabi. Et Gabi est une jeune étudiante en kinésithérapeute, tu crois. Un truc qu'elle veut faire kiné. Un truc comme ça. Enfin, soit. Et elle va rencontrer, je viens de le dire, hein, moi les noms, Kylian. Voilà. Elle va rencontrer Kylian en travaillant. Elle travaille dans. Enfin, elle est étudiante. Et pour avoir des petits sous. Pour ses études, elle travaille dans un truc restaurant, hôtel, c'est pas vraiment ce que c'est. Et elle va rencontrer le jeune Gabriel au restaurant, qui a flashé sur cette belle Gabi. Enfin, c'est sur son nom Gabi, c'est Gabriel, je crois que son nom. Il le dit rarement dans le livre, c'est toujours Gabi. Et du coup, le jeune footballeur, enfin basketteur, va faire tout et tout ce qu'il peut. Il lui a envoyé une enveloppe avec deux places pour aller le voir jouer au basket. Elle lui dit non, qu'elle veut pas aller parce qu'elle y connaît rien, elle n'est pas footballeuse. Quand tu la, elle parle, elle est un petit peu ronde, mal à l'aise de son corps, tout ça quoi. Quelqu'un de plus timide et voilà quoi. Et il va faire tout et n'importe quoi au restaurant dans son cadre. Quasi, il va lui apporter tous les. Enfin, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est un de ses collègues à Gabi. Va lui mettre des petits mots dans son casier tous les jours jusqu'au jour du match. Et quand le match arrive, les deux places qu'elle avait, elle les avait données à quelqu'un. Et il lui en a donné d'autres. Deux autres, et du coup, elle va avec sa meilleure amie au match. Et elle se dit, moi je vais juste aller voir le match, et puis je rentre chez moi, mais c'est pas tout à fait ça. Et à la fin du match, il y a un grand costumé avec un costume qui lui dit d'attendre de rester là et que Gabriel l'attend. Et du coup, ils vont s'en discuter, tout ça. Et il y a des trucs qui vont se passer. Mais la fin. Heureusement que j'ai la suite. Hein, parce que je viens de terminer la fin, là maintenant. Ça se lit. Moi qui avais peur parce que c'est écrit petit. Regardez, vous voyez, c'est fort petit par rapport à certains livres. Je pensais que ça allait me gêner pour lire. Mais pas du tout en fait, je commence à m'habituer à la petite écriture. Mais c'est top. J'ai eu des larmes. J'ai été énervée sur la fin. Ici, là, j'ai les nerfs de savoir ce qui s'est passé. Mais c'est trop, trop chouette. Je pensais à un moment dans les 300 pages, 350 pages. Que le premier fait 350 pages, je pensais que à un moment, bah, de toute façon, on va se douter, à ce moment, ils se mettent ensemble, tout se passe bien. Je me dis, pouh, maintenant, il va y avoir de la longueur, ils vont voir quêter tout le temps. Maintenant, il y a toujours un truc qui se passe. On apprend que Kylian, c'est sa maman qui est, comment on dit, agent, ou son agent. Ouais, c'est ça, son agent qui s'occupe de tout, voilà, de ses contrats et tout ça.
Mais enfin, la maman a bien une idée précise. Elle a compris que quand Kylian sortait tous les soirs avec une nouvelle fille dans les bras, ça lui faisait beaucoup de sous. Du coup, elle le fait à chaque fois. Elle téléphone à plein de filles pour qu'ils sortent en soirée pour que Kylian et elle aient beaucoup de sous. Mais quand il rencontre la jeune Gabi, c'est plus tout à fait ça. La maman s'oppose à cet amour. Et il va y avoir des choses qui vont se passer. Et franchement, mais si j'ai une mère comme ça, je la pends. Mais Gabi, elle a cette force, cette douceur. Elle est tellement... attachée à lui, que elle a tellement de force, de mais avec des oh je perds mes mots, vous voyez, je perds mes mots, j'ai envie de tellement dire de choses, que il y a tellement de choses que je peux dire en fait, et j'ai pas envie de vous spoiler parce que il faut le lire. Ce que j'allais dire d'autre, c'est vraiment là. C'est à moitié un coup de cœur. Jusque maintenant, pour les 350 pages, sur 5, je lui mettrais 3. Non, même pas. 4. Moi, ouais, 4. Je mettrais 4. Sur 5. Mais ces choses qui arrivent à la fin, je les ai pas vues arriver. À un moment, j'avais un doute sur des trucs. J'avais... La relation entre eux est belle. Et agréable à lire. C'est pas je te rencontre et je quête. C'est pas du tout ça. Le rencontre, c'est se passe super bien. Ils font des sorties. C'est après le troisième soir seulement ils s'embrassent. Et un jour après le match de basket, il la fait venir chez elle, enfin chez lui. Et elle se dit, ça y est, il va me vouloir dans son lit. Mais pas du tout. Ils ont discuté toute la nuit. Ils ont parlé, ils ont posé des questions. Et c'est ça, c'était agréable, chouette. C'est rare, autant de questions dans un livre. Souvent, aux relations, c'est vite et bien fait. Sauf qu'ici, non, il y a un moment où elle, au cours, il envoie des petits messages, mais des petits messages doux, attentionnés. C'est vraiment pas ce que j'avais l'habitude de lire. Et franchement, depuis un moment, depuis que j'ai lu Nos âmes tourmentées, mais j'ai des super, super lectures. Je sais pas si Nos âmes tourmentées va changer mon esprit, mais là, je suis contente de voir lu et d'avoir pu... passer ma peur, surtout parce que j'avais peur de la grosse bricasse. Oh, mais je suis contente sur les 1000 pages là, j'en ai déjà lu 350. Je suis déjà contente, c'est bien. Maintenant, je vais commencer pour faire le tome 2 qui est Pour que je revienne. Vous avez peut-être une idée entre le titre et le troisième, c'est quoi le titre? Je n'arrive pas à aller. Que quand. Tant que l'amour, il y a de l'amour. Et ici, franchement, oh, je voudrais savoir ce qui se passe. Je suis trop contente de l'avoir l'intégrale, hein, parce que si j'avais pas l'intégrale, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais cassé toute la baraque pour aller chercher le tome 2 et même le tome 3. Voilà, franchement. Prenez, enfin, il n'y a que celui-là, de toute façon, il n'y a que l'intégrale. Les autres, c'est sur e-book. Mais si vous l'avez sur e-book, c'est qu'une partie. Prenez la deuxième avant d'arriver à la fin. Je vous conseille pour ne pas être frustré de votre lecture. Parce que là, franchement, mais Kylian, il va des baffes. Mais Kylian, je lui donne des baffes. Là, j'ai envie de lui mettre des baffes. Pourtant, j'adore les personnages. Je m'identifie bien à eux. Enfin, j'ai envie d'être à leur place. Et ça, c'est chouette. Et d'être émue. J'étais émue. J'ai pas pleuré, mais j'avais la larme à l'œil. J'étais émue.
J'ai été énervée ici à la fin, mes 35, je crois, de pages qui me restaient, que j'ai lu ici, de 9h30 à 10h. Mes 35 pages. Enfin, j'ai fait ma vaisselle en 3 aussi. J'ai lu mes 35 pages qui me restaient. Mais là, j'étais énervée. J'avais envie de baffer. Même la mère de Kylian, j'avais envie de la taper. C'est. Hier, j'étais triste. J'ai même dit à mon copain, il était 10h30. Lui, comme il se lève à 6h, il avait envie de dormir. Du coup, voilà. Du coup, je dis, mais j'ai vraiment pas envie de rester ma lecture. Et mais je dis, quand même, il faut que j'arrête. C'est pas grave, demain, je vais me lever plus tôt. De toute façon, pour le moment, j'ai pas le choix de me lever tôt. Parce qu'il y a les ouvriers qui sont là à 7h, qui font du bouquin, pas possible. Là, je profite d'un moment de calme pour vous prendre. Mais c'est une bonne lecture. C'est une super bonne lecture. Bon, sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai fait ma vaisselle. Voilà. Depuis le matin, il est 10h35. J'ai lu et j'ai fait ma vaisselle. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et là, je venais mettre mes pages lues sur Livre Addict. Du coup, je suis à 36% de ma lecture. C'est pas mal pour sur 100. Voilà. Et exactement comme page, parce que là j'ai les pages exactes sur Livre Addict. Il fait 987 pages. Pour vous dire, il fait 987 pages. Cette bricasse. Voilà. Sur ce, je vais faire. Je vais jouer un petit peu. Et après, je vais faire du montage. Voilà, j'ai sorti ma viande aussi pour de ce soir. Il n'y aura plus qu'à éplucher les patates. Je ne sais pas encore quoi comme légumes. Je pense que je vais faire les haricots. Je vais faire des haricots. Princesse. Et voilà. Je vais faire du montage et je vais faire un peu de jeu. Je voulais un petit peu Animal Crossing en regardant Poudlard Anima, je crois que c'est comme ça. Son vlog. Voilà, ça m'a changé d'idée. Là, je vais jouer et regarder un vlog en même temps sur mon PC. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que là, ça fait 12 minutes que je vous ai pris. Et je vous tiens au courant pour après. Bye bye, ou tantôt, je ne sais pas, ou à demain. Bonjour, mon petit seul, je reviens dans ce vlog. On est mercredi le 28 avril, ça passe vite. Je voulais vous reprendre parce que j'avance dans mon bouquin. Je suis à la page 408, dans un milieu du chapitre, comme d'hab, ça ne change pas. Je suis au tome 2. Le tome 2, là. Et moi, je suis là. Vous voyez, j'ai quand même lu pas mal. Et puis le tome 2, hop. Hop, le tome 2, comment c'est là. Voilà ce que j'ai lu. Moi, ce matin, je me suis réveillée assez tôt. C'est 6h30. C'est ça. Vers 6h, 6h30. Parce que je me suis parée à 6h30. Du coup, il était plus tôt. Du coup, je me suis dit, allez, j'ai juste fait quelques trucs du matin, ce que je devais faire. Et puis, à 8h, je me suis remis dans mon lit. Et je me suis dit, allez, go, on lit une heure. Et du coup, mais j'ai lu un peu plus qu'une heure, parce que j'ai lu de 8h30, 8h40, je crois que c'était 8h40 pour exactement, jusqu'à 10h. J'ai lu mon bouquin. Oh, je suis fan. Et je suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre où je me suis dit, bordel de pépette, je peux pas m'arrêter là maintenant. Mais je me dis, j'ai pas le choix, j'avais des trucs à faire. Là, il est 11h30. J'ai fait ma petite vaisselle, j'ai sorti ma viande. Je vais aller dans une petite demi-heure, je vais aller éplucher mes patates. Comme ça, seront faits pour ce soir. Oui, je sais, c'est tôt, mais je n'ai pas trop le choix aujourd'hui. Là, j'étais en train de monter la partie du vlog pour samedi. Parce que samedi, c'est le 1er mai. Du coup, voilà, je me suis dit que vous aurez ça pour le 1er mai. Voilà. Je vous souhaiterai à la fin une bonne fête de travail. Mais enfin, soit.
Du coup, voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense que là, après, je vais encore relire une petite heure. Je pense que je vais me faire une petite heure. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais qui me casse les bonbons depuis ce matin. C'est un appareil un peu plus loin qui travaille, enfin, soit. Et du coup, j'ai fait vite ce que j'avais à faire. Et je dois partir à 3h30. J'ai rendez-vous à l'hôpital pour 4h30. Voilà, du coup, il faut que je parte. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse les affaires avant de partir. Du coup, voilà. Et là, j'ai fait le plus gros. Enfin, je dois replier mes vêtements, mais j'ai vraiment pas le courage de le faire. Et tout ce que j'avais mis séché lundi, il faudrait que je replie aussi. Mais voilà. Motivation à zéro pour le moment, à part mon bouquin que j'ai envie de me plonger dedans à fond. Je vous dis pas, j'avance bien, je suis contente parce que j'ai vu qu'il y a deux ou trois jours, j'étais qu'aux 200 et là 400. Oh, je viens de. Ah, mais je l'ai retiré, merde alors. Je venais de mettre les pages sur Livre Addict. Il est où? Voilà. Si vous voulez, c'est. Bébé Clochette sur Livre Addict, ça ne change pas de ma chaîne. Je suis à 41% de ma lecture. Ça me donne bien. J'avance bien quand même. Il me reste encore tout ça, mais voilà. Ça, c'est le chapitre 3. Voilà. Quand j'aurai lu la partie 2, je serai déjà contente. Voilà. Après, on fera. Je pense que je vous ferai la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. Quand j'aurai fini ce gros bébé. J'ai envie de faire un livre par jour. Je me suis dit peut-être un ou deux mangas par jour pour essayer d'avancer. Parce que là, c'est une partie des mangas que j'ai. Et j'en ai encore là. Enfin, je sais pas si ceux-là je les ai lus ou pas. Voilà. Si vous voulez, je pourrais vous le montrer. J'ai même pas vu à combien de temps je suis déjà à la vidéo. Ah, où ça va? Je retire le petit livre. Bon, je sais qu'il y en a un ou deux que j'ai lu dedans. Mais on va en même temps, ça tombe bien. On va mettre ça de côté. Je vais descendre. Parce qu'il y a mon livre là, du coup. Il y a le tome 2 que je voudrais lire du le petit renard et le petit Nyanouki. Le tome 2. Alors ça, il est lu. C'était le chat et la gameuse. Mais il est lu. Ça aussi, il est lu. C'est le petit renard. Du coup, il y a la game. Enfin, j'ai un doute si je l'ai lu. Enfin, la game et son chat, tome 2. Il y a celui-ci qui me donne très envie. Un chat, Sa Majesté le chat. Ça, c'est un roman. Après, j'ai le tome 3 du les sorciers, les ateliers des sorciers, que faut que je lise. J'ai le tome 1 des oranges. Et j'ai celui-ci qui me donne très envie aussi. After. Et celui-ci, c'est un frère. Enfin, un frère. Enfin, deux frères, va rencontrer un amoureux, je crois, comme ça, un truc comme ça, et il me tentait bien. Du coup, j'ai quand même pas mal de livres que je pourrais lire. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'ai encore le Blue Fly aussi à lire. On va mettre ceux-là que j'ai lu en dessous, hop, voilà, comme ça, voilà. Et hop là. Voilà, il y a tout ça encore à lire. Et là, j'ai un roman que j'avais pas pensé qu'il était là. Part avec lui dans Angeline, que j'avais vu dans une box, mais je sais plus laquelle. Est-ce que j'avais mis les petits colis, je pense. On va le mettre là. Tirant. Non, non. Hop, voilà. Voilà. Nos âmes tourmentées, mon coup de cœur, qui est jamais loin de moi. Hop, je mets mon petite peluche. Voilà.
Je suppose que vous entendez les moteurs. Quelle horreur. Pour le moment, c'est l'horreur. Voilà, du coup, j'étais en train de monter le vlog. Et là, je suis à durée 32, 33. 32, 33. Ça va, j'ai encore pour demain. Ça va aller. On sera pas loin des 50 minutes. J'essaie de faire moins, mais c'est compliqué pour le moment. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser. Et là, je vais regarder Brunel, la pâle du mois de la fantaisie. Voilà, ça me donne envie de lire ça. Enfin, lire, de regarder ça. Et je vais aller éplucher mes patates aussi. Je pense que je vais aller lire. Enfin, regarder en même temps. Voilà, et continuer ça. Et en même temps, j'ai joué un petit peu à Animal Crossing. J'essaie d'avancer, d'essayer de créer une nouvelle. Enfin, créer. De. Comment on peut dire, décorer mon île, parce que franchement moi j'ai jamais décoré. Je prenais les fossiles, je prenais les ballons, je payais mes prêts et je mettais tout dans mon inventaire et puis basta et c'était tout. Je faisais quelques trucs pour mettre entre, j'avais fait un petit peu de décoration autour d'une ou deux, deux ou trois maisons, mais après j'ai pas continué et j'ai plus joué aussi et du coup là j'ai envie de reprendre. Voilà, parce que je regarde octobre 21 sur dis-moi. C'est vrai que j'ai pas regardé dimanche. Sur Twitch. Voilà. J'arriverai à retenir. Voilà, Twitch. Voilà. Et moi, sur ce, je vais vous laisser. Et voilà. Il faudrait bien que je aussi diminue ma pâle. Elle est énorme, ma pâle. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonjour, petit Lucieuse. Je reviens dans ce vlog. On est vendredi 29. Avril, j'ai un coup de mou. Excusez-moi. En fait, je venais de faire une petite sieste. J'ai fait une sieste de demi-heure parce que j'étais capote. Parce que j'avais dit, j'ai bien avancé. J'ai bien fait plein de choses chez moi. Il va être 3 heures. Voilà. Je voulais vous revenir dans ce vlog pour vous parler. Hier, je vous avais parlé que je allais. Ça, je vais faire. Ça va tomber. Que j'étais faire mon IRM, ça s'est bien passé, un petit peu la pétoche, j'aime pas d'être enfermée, et j'ai pas, comment dire, j'ai pas peur, hein, mais je suis pas claustrophobe, je crois que c'est comme ça que ça se dit, mais j'aime pas, et ça a été, je suis pas rentrée complètement dans, le... c'est la machine toute ronde que tu rentres dedans, mais moi il m'a mis jusque la poitrine je pense. Du coup, la tête n'était pas dans l'appareil et c'était bien. Et il a coincé mon genou dans un, je sais pas, une espèce de machin qui sert comme ça. Genre un tube. Et j'avais l'impression tout un moment que le tube se refermait et serrait fort mon genou. Mais à part ça, tout s'est bien passé. Excusez-moi. C'est bien passé, il était en retard, j'avais rendez-vous à 4h30, je suis passée parce que à 5h15 je pense. C'est un quart d'heure par personne, enfin la machine dure un quart d'heure. Du coup voilà, et les nouveaux avec les conditions, logiquement avant tu restais habillée pour passer dans la machine. Ici tu es obligée de mettre une tenue, si j'oublie pas je vous insérerai la photo que j'ai fait de moi avec la tenue d'hôpital. Voilà. Et voilà, j'avais peur de rentrer dedans parce qu'avec le moi qui est déjà j'étouffe déjà avec le masque. Alors je me dis dans le tunnel, dans le machin tunnel là, plus le masque, je sais pas si j'allais savoir tenir, mais ça a été. J'ai pas angoissé, c'est ça. Et je n'ai pas été dans le truc, du coup c'est bien passé. Maintenant j'attends les résultats. Il faut une dizaine, une grosse semaine je pense pour avoir les résultats. Et voilà. Voilà, voilà. Aujourd'hui, ben, j'ai fait mon nettoyage. J'ai fait mes petites courses sous la pluie. Oh, un truc qui déteint. Qui fait défait. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais mon chat est en train de faire du. Non, non, continue. Du pain sur mon coussin. Voilà. Enfin, voilà. Et du coup, je voulais vous reparler aussi de ma lecture. Ici, je crois pas que je vais avancer. J'ai pas...
je sais plus. J'ai lu un petit peu, mais je ne sais plus. Pas mal. Je vais à 418. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous ai parlé hier. Est-ce que j'ai lu hier? Je ne sais plus. Je perds la tête. Je vous dis, je perds la tête. 418. Non, en fait, je vous ai pas. Ah si, j'ai lu 10 pages hier. 10 pages. Voilà. Je suis à 42% de mon bouquin. Ça avance tout doucement. Je suis pas loin de la moitié. J'ai pas encore lu aujourd'hui. Mais là, je pensais lire un petit peu. Mais j'ai encore quelques trucs à faire avant au PC. Du coup, je vais faire ça. Et je verrai. J'aimerais bien essayer d'avancer. J'aurais bien voulu au début. Ah, jusque là. À finir ce vlog. D'être au troisième. Mais je pense qu'on va faire ça pour le prochain vlog. Du coup. Essayer de dépasser. Aller jusqu'au tome 3. Pour le prochain vlog. Oh, vous avez compris. Je suis fatiguée. Celui-ci va se terminer. J'hésite encore de vous garder jusque demain. Demain après-midi. Je surveille mon chat. Il est en train de taper. Je ne sais pas sur qui. Woody, laisse ta soeur. Ce chat me fatigue. Il fait plus du pain, maintenant il tape. C'est ça, il est fatigant. Du coup, je ne sais pas si je vous garde jusque demain. Moi, je pense que oui. Jusque demain, c'est une dure journée. Enfin, dure journée. Oui. Oui et non. Demain, vous savez que je fais le vendredi, je vais donner un coup de main à ma tontine. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et oui, et aussi, monsieur travaille et il finit à 1h30, mais quand il a fini le boulot, il y aura toutes les courses à faire. Parce que samedi, c'est férié. Je sais pas si la France est férié, mais chez nous, la Belgique, c'est férié. C'est le 1er mai. Je pense que c'est partout. C'est le 1er mai, du coup, c'est jour férié. Moi, j'ai mon... Voilà, c'est mieux. Ma mèche qui m'énerve. Du coup, c'est férié. Les magasins sont fermés. À part un ou deux, je crois, qui restent ouverts. Lui, il fait des triboulettes. Enfin, soit. Du coup, ben, il faut que je fasse les courses en avance. Voilà. Voilà. Et j'avais envie, en fait, d'arriver jusqu'au tome 3 et arrêter et lire autre chose. Mais il faudrait bien que je l'achève quand même. Pourtant j'aime bien, hein. Mais là j'ai un peu fatiguée, parce que Kylian m'énerve. Ouais, je vous ai pas repris, mais Kylian m'énerve. Voilà, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai versé ma petite larme. Ici dans le tome 2, Kylian m'énerve, il m'énerve. Voilà, il y a un truc qui se passe en fait, je vous ai pas vu, mais il y a un truc qui se passe à la fin du tome 1. Et qu'on retrouve ici au tome 2. J'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai envie de vous le dire, en fait. Voilà. Du coup, c'est embêtant. Du coup, je vais vous rien dire. Et le seul truc que je vais vous dire, c'est qu'ils sont plus ensemble. Voilà, comme ça, vous le savez. Et du coup, voilà. Et oh, j'ai trop envie de vous dire, parce que si je vous... Je ne sais pas quoi vous en parler du coup. Franchement, Kylian, il m'énerve. Comme ils sont rompus. Mais il est fatigant parce que... Il dit et qu'il admet, il l'aime toujours. Mais il dit que ça, les deux vies... deux vies ne correspondent pas. Elle fait un genre de stage, je crois. Dans le club où il est. Comme kiné. Masser les joueurs après leur match et du coup il est dans le même club et ici ils ont rompu au tome 1, ils ont rompu à la fin, c'est ça qui m'énerve en fait, mais Kylian il m'énerve, c'est juste que il lui dit je t'aime mais nos deux vies correspondent pas. Parce qu'elle, elle veut être dans l'ombre. Elle veut pas être devant les caméras, se montrer. Elle est un peu plus timide que... Enfin, lui, c'est sa vie de toujours depuis qu'il
ils jouent au basket, c'est comme ça, eux, c'est leur vie. Mais elle, elle est voilà, une jeune étudiante qui fait ses stages. Et elle pensait pas, elle veut pas, elle veut être dans l'ombre. Et du coup, elle est en train de réfléchir que si elle veut être avec lui, il va devoir être un petit peu moins dans l'ombre, même si elle veut rester dans l'ombre. Du coup, c'est compliqué. Et ça aussi, ça m'énerve parce que je veux pas, j'aime pas qu'elle change ses points de vue parce que elle est. C'est compliqué de dire parce que oui, je comprends qu'elle change son point de vue parce qu'elle est amoureuse, mais il faut pas toujours changer les points de vue parce que il y a de l'amour qui est en jeu. Il faut que lui aussi il mette son un peu de côté tout ça, mais lui il passe pas indiscret, il va n'importe où, il se fait repérer. Du coup, c'est compliqué pour lui. Et elle a envie de pas tout ça, quoi. Et c'est compliqué, mais voilà. Est-ce que ils vont réussir ou ils vont pas réussir? Par contre, t'as le trimballer comme partout, de le mettre partout, parce que il est tout le temps avec moi partout. Je nettoie, il était dans le salon, je l'abîme à mort. Hein. Là, je l'ai plié, regardez, il est plié. Ça, c'est moins grave. Là, la couleur rose s'en va. Hop, j'avais vu. Là, il fait des pluches. Là, il fait des pluches. Je sais pas si vous allez voir. Il pluche. Regardez, là, il y a des petites. Je sais pas c'est quoi. Il fait des pluches. Voilà. Voilà. Là, il y a un petit coup. Là, on voit pas. Là, ici, vous voyez. Voilà. Mais voilà. Mais heureusement, j'aime bien sa grosse briquette en main, surtout. Pour vous le présenter, il est bien. À part qu'elle est un peu lourde, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Là, je vais vite préparer mon cours. Je vais reprendre mes petites feuilles de mon cours de la semaine passée. Hop, 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 qui sont juste ici. Et relire un petit peu. Parce que je pense qu'elle va nous faire une dictée sur ça. Enfin, c'est ce qu'elle avait parlé. Je n'ai même pas. Elle nous avait fait un joli tableau. Regardez le beau tableau qu'elle nous a fait. J'ai même pas lu du tout le tableau. Mais vraiment pas lu ce tableau. Et il me l'avait pas. Elle avait fait trois jolis tableaux. Mais ils sont beaux les tableaux. Mais moi, ouais, j'ai pas regardé. Du coup, je vais regarder un peu à ça. Rétudier un petit peu, on va dire. Voilà. J'ai même pas envie, mais voilà. Et traiter mes mails. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire tout ça, tout ça, tout ça. Et essayer de relire un petit peu. Parce que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire. Même si ce temps est moche. Enfin, c'est à cause de ce temps que j'ai envie de lire, en fait. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à tantôt ou à demain. Je pense que ce sera plus à demain que tantôt. Bonjour mes petites soeurs, je reviens dans le vlog et pour le conclure, on est vendredi le 30 avril. Je suis désolée de mon état, mais là je suis vraiment pas bien. J'ai une migraine pas possible, je crois que ça doit se voir à mes yeux. La lumière me fait très mal. Là je viens juste d'ouvrir et c'est l'horreur. Voilà, j'essaie de refermer un peu. J'ai une migraine. Je viens de prendre un cachet. On verra si ça passe. J'ai des nausées. Voilà. Du coup, je voulais vous parler. Hier soir, je l'ai pas lu parce que j'ai Pitwatch. Enfin, j'ai regardé une série. Voilà. J'aurais pas dû commencer cette série. J'ai regardé Julie and Fantôme. Comme ça, je vous montrerai l'affiche quelque part. Si j'oublie pas au montage, parce qu'il faut que je fasse le montage aujourd'hui. Voilà, du coup, je vous ai dit, j'ai pas lu. Je suis toujours aux 418 pages. Ça fait 2 jours que je suis bloquée, que j'ai pas lu. Pourtant, j'ai envie. Hein. Je peux pas vous imaginer comme j'ai envie de continuer, de savoir ce qui se passe, mais voilà, ça ne passe pas. Et aujourd'hui, j'ai été à Cora pour aller chercher du muguet. Et j'avais sur ma carte de Cora un truc de 10,80 €, enfin 10 euros et quelque chose dessus. Du coup, je me suis pris un livre. Je me suis pris Mordeur
et pipites de chocolat. Par contre, c'est des éditions Recherche Midi. C'est la première fois que j'ai Recherche Midi. Et de Jana Flock, les enquêtes d'Anna Nerf. Ça me tente bien. Je vais pas vous parler du résumé parce que regardez ça. Et puis mon état, c'est pas le moment de vous en parler. C'est à peine que je vois clair pour vous dire. C'est de retour dans la ville natale. Voilà, je sais pas. Et il me donne trop envie. Et alors j'adore les chapitres. Je vais vous montrer là. Il y a des petits trucs de gâteau. Vous voyez pas trop, je crois. À quoi ça ressemble? Je cherche un autre chapitre. Je crois que c'est d'autres les mêmes. Et là, c'est un genre de tarte. Je ne sais pas quoi. Et là, on a une préparation. Ça a l'air trop bien. J'ai envie. Ça va me sortir de ma zone de confort, mais il me donne trop, trop, trop envie de le lire. Du coup, je pense qu'il ne va pas faire long feu dans ma palle, celui-là. Enfin, j'espère. Et il fait 530 pages. Du coup, voilà. J'espère qu'il ne fera pas long feu dans ma palle. Parce que s'il fait long feu, j'ai peur de ne pas le lire. Comme il y a un ou deux que je sais pas, j'ai un doute. Du coup, j'espère de ne pas le traîner longtemps. Voilà. À part ça, j'avais rien d'autre à vous dire. À part mon état physique qui n'est pas le top. Du coup, je pensais vous prendre demain. Mais comme je n'ai pas lu et je ne sais pas si aujourd'hui je vais savoir lire. À part si le cachet fait effet, ou après avoir mangé, peut-être qu'il va faire effet, je ne sais pas. Je suis comme si. Enfin, j'ai pas beaucoup dormi. Il était 1h du matin, puis j'ai vu 2h, puis j'ai vu 4h, et mon réveil s'est sonné à 6h. Et quand il a sonné, je dis oh non, pas maintenant. Du coup, c'est pas le top. Voilà, c'est pas. Le moment quoi. Du coup, je vais me reposer aujourd'hui et je vous tiens au courant dans les jours à venir. Je vous reprendrai justement lundi. J'espère que lundi ça ira beaucoup mieux. Parce que bah déjà demain, j'espère que ça ira beaucoup mieux. Mais demain, je vais quand même aller porter mon petit muguet à certaines personnes. Voilà. Oh, je suis désolée, mais le temps n'est pas là et il fallait que je ferme le vlog. Je voulais pas vous laisser là comme ça. Sans conclure le vlog. Du coup, voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Beaucoup plus de blabla qu'autre chose. Parce qu'on parle plus beaucoup de lecture pour le moment. Comme je n'arrive pas à terminer mes livres. Je vous ferai que ça vous plaira. Par contre, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Si je ressors une vidéo. Enfin, un vlog samedi prochain sur Insta ou quoi, où vous verrez qu'il n'y aura pas ou il y aura. Je sais pas, je verrai bien parce que j'avance pas dans mon livre et ça m'ennuie. Et c'est vrai que j'ai envie, comme je ne sais pas trop vous en parler, ça m'embête un peu. Du coup, voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais aller me reposer. Enfin, me reposer un petit peu et faire mon vlog. Enfin, monter le vlog pour vous l'insérer demain matin. Comme ça, vous l'aurez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo le 1er mai, je vous souhaite une bonne fête de travail. Voilà. Bonne fête de travail. Et que cette journée, que vous en profitez bien, comme c'est un jour à récupérer pour ceux qui travaillent. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine pour une autre prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.